m'appelle Ali, je suis un des sympathisants, un des membres du collectif Yeressine que vous avez entendu à l'instant. Oui. Donc on est là pour un mouvement politique contre Valls, contre Manuel Valls, qui était l'ancien maire d'Évry, qui est maintenant ministre de l'Intérieur depuis 2 mois, et que s'il gagne, il sera ministre de l'Intérieur pendant 5 années. Et que s'il échoue, bah, il a tout perdu dans sa vie politique parce qu'il a déjà démissionné à la mairie et puis il est à nouveau maire maintenant à Évry. Donc le tout, c'est que tout le monde prenne conscience de la réalité, de savoir qui est Valls et de voter contre cette personne pour qu'il échoue, pour qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu pour les 5 dernières années sous l'ère Sarkozy. Il faut savoir juste une chose, Sarkozy aurait pu être premier ministre sous l'ère Chirac. Oui. Il a refusé, il a préféré l'intérieur. Pourquoi? Parce que de là, il peut taper sur les musulmans, il peut gagner même l'électorat de l'extrême droite. Et ben, c'est exactement pareil pour Manuel Valls. Il aurait pu être premier ministre. D'ailleurs, c'est le directeur de cabinet de François Hollande. Il a refusé. Et là, il a pris l'intérieur. Comme ça, lui, il a 5 années pour taper dedans. Et je veux dire, il pourra faire l'unanimité dans tous les partis, que ce soit de gauche ou de droite. Il faut savoir juste une chose, c'est que ces gens-là ont tous le même maître, d'accord? Quand on voit toute la classe politique qui va se prosterner au dîner du CRIF annuellement, et Manuel Valls qui va encore plus loin, qui va de manière, je veux dire, qui va au dîner du CRIF annuel, mais régional aussi, c'est que on sait qu'ils ont les mêmes maîtres qui sont les sionistes d'Israël, d'accord? Ces gens-là, je veux dire, n'ont qu'une seule haine, c'est celle de l'islam et des musulmans. D'ailleurs, ils ont spolié, ils ont volé la terre des musulmans qui est la Palestine. Et je veux dire, ils font la même chose, parce qu'en France, il y a une très grande communauté musulmane. Et donc le but, c'est vraiment de leur taper dedans pour qu'il n'y ait pas, je veux dire, une communauté islamique dans ce pays, parce que ça ne peut que les déranger à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous juste vous pouvez nous dire c'est quoi le CRIF? Si vous voulez, c'est un lobby juif, c'est un lobby sioniste qui sert en France les intérêts d'Israël. C'est-à-dire que on peut croire que c'est le gouvernement français qui dirige la France. Eh bien non, ils ont leur maître qui sont le CRIF. C'est comme aux États-Unis. C'est-à-dire que si le président ne peut pas devenir président des États-Unis tant qu'il n'a pas prêté allégeance à l'EPAC. D'accord? Eh bien, c'est pareil en France. Le président ne peut pas être président de la République tant qu'il n'a pas prêté allégeance au CRIF. D'accord? D'accord. C'est impossible. Et sinon, pour ce que vous m'aviez demandé, pour ce qui est du collectif Yeressine, écoutez, c'est un collectif qui regroupe des frères et des sœurs musulmans et qui font avec les moyens qu'ils ont à chaque fois que la communauté est touchée ici en France. C'est un mouvement qui, au départ, est là pour dénoncer ce qui se passe en Palestine occupée, mais qui a dénoncé aussi ce qui s'est passé à Drancy, notamment l'islam de France, d'accord, avec l'imam, le pseudo-imam, le faux imam Hassan Chalroumi, qui en ce moment même est en Israël. Alors, je suis Imam, je fais partie du collectif Yeressine. Je suis organisée un petit peu, mais c'est surtout les citoyens de la ville pour nous motiver, Oui. puisque l'enjeu il est à la fois national et à la fois local. Oui. Nous sommes ici pour mobiliser et sensibiliser les musulmans, à la fois les musulmans et les citoyens de la ville, pour les législatives qui ont lieu le 10 et le 17. C'est Emmanuel Valls qui est favori dans ces élections-là, parce qu'il a été déjà député avant ces élections-là. Donc il a une assise importante à Évry, Corbeil et Courcouronnes. Seulement, c'est un vote plébiscite. Pour lui, ce qu'il cherche, c'est pas du tout être député. Il est au ministère de l'Intérieur et le Premier ministre a mis en évidence que tous les ministres qui se présentaient, là où se présentaient, doivent être élus pour rester au ministère. Donc l'enjeu, il est clair, c'est un vote plébiscite pour ou contre Emmanuel Valls. Et s'agissant des musulmans, mais même plus globalement des citoyens de la ville, il doit être, à notre avis, contre Emmanuel Valls. Sa gestion locale, quand il était maire, puisque maintenant il a laissé la mairie, puisqu'il ne peut pas cumuler autant de mandats, et en tant que député, elle a déjà été dans une ligne directrice qui n'apparaissait pas au mieux
favorable au vivre ensemble, au pire, qui n'apparaissait même pas républicaine, puisqu'à chaque fois, il a stigmatisé les mêmes personnes, le même groupe de personnes, à savoir les musulmans. Pour tout, ce point-là, il est à double tranchant. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est une volonté de sa part d'agir de cette manière-là. Mais les musulmans, ils sont aussi coupables dans leur laxisme et dans leur inaction, que ce soit à l'échelle d'école ou à l'échelle nationale. Donc le premier enjeu, c'est d'abord de sensibiliser les musulmans pour leurs questions, qui est celle des intérêts, je veux dire, locaux, et aussi pour leur dignité, tout simplement, et le respect qui nous est dû. On ne demande pas du tout à ce qu'on favorise ou à ce qu'on fasse du communautarisme. C'est loin d'être notre question, seulement à chaque fois on remarque sans aucune victimisation que c'est toujours les musulmans qui sont montrés du doigt quand tout le reste ne va pas. Et la campagne déjà électorale présidentielle dernière, elle a été sur ce terrain-là. Sarkozy l'a voulu que ce soit sur ce terrain-là. Et on le voit clairement, la France elle est coupée en deux quelque part entre ceux qui ont voulu maintenir cette cohérence et ce vivre ensemble et ces valeurs républicaines contre Sarkozy. Et à l'inverse, une montée aussi de gens qui se sont reconnus dans un discours anti-musulman, clairement. Et c'est ces personnes-là, et c'est cette catégorie-là que M. Valls drague clairement et prépare sa carrière, entame sa carrière politique. Donc l'enjeu est clair, le 17, c'est qui tout double. D'accord. Et ça se joue sur les musulmans. C'est qui de tout dans quel sens ? Soit on confirme Valls dans sa lancée, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, sachant que désormais, depuis quelques temps, c'est plus que le ministère de l'Intérieur, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est déjà assez important, puisque c'est lui qui est en charge de la police et on va dire des pouvoirs répressifs. Mais c'est aussi le ministère de l'Intérieur et des cultes. Et à chaque fois, et des cultes, au cours de ces derniers temps, de ces dernières années, on a compris que c'était surtout et des affaires de l'islam, voire de contre l'islam. À chaque fois, soit on nous met des pantins et des gens pour nous manipuler, on l'a vu avec ça sous Sarkozy, soit c'est en favorisant d'autres communautés, et clairement, c'est la communauté juive, et je dirais plutôt la communauté sioniste de France, qui est largement favorisée et plébiscitée, et même devant laquelle on se prosterne. Donc pour ce jeu-là, qui est de s'abattre contre les musulmans, le musulman, soit il agit et il se dit « j'ai à me faire respecter » et pour ça, il n'a que le cadre de la loi pour le faire et c'est largement suffisant et ça va même mettre une école à mon avis et je pense sincèrement, avec moi qui suis sur le terrain depuis 2 semaines au moins, avec beaucoup d'autres citoyens musulmans, d'ici, mais surtout la réalité c'est que c'est plutôt toute l'île de France qui s'est mobilisée. On a beaucoup de chance et et la victoire elle nous appartient largement si on continue dans cette lancée-là et si on reste mobilisé entre l'entre-deux tours-là pour qu'Emmanuel Valls tombe et pour que la classe politique entière soit avertie que les musulmans désormais ils sont aussi des citoyens et ils prennent en charge au moins leur image et leur dignité et au mieux aussi leur intérêt parce que malgré ça on a quand même des intérêts à défendre qui sont ceux de tous les concitoyens mais dont nous on souffre beaucoup plus que ce soit l'accès à l'emploi là où tout le monde a une difficulté. Les musulmans ils l'ont en plus parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils portent un nom musulman ou parce qu'ils ont un voile sur la tête. Donc pour toutes ces régions là et encore d'autres, on a ce devoir, cette responsabilité et ce droit de se mobiliser et d'agir et la campagne contre Emmanuel Valls c'est un cas d'école dans ce D'accord. Et à votre avis, est-ce que vous acharnez sur Sarkozy et Valls, et pourquoi à votre avis ces journalistes ? C'est pour leurs intérêts personnels pour vous ou il y a quelqu'un derrière ou pour satisfaire les besoins d'autres personnes du système, je ne sais pas en fait, je veux les comprendre, voilà, donc si ça ne me dérange pas. En fait, ces deux personnes-là, qui sont assez proches dans ce qu'elles se représentent, ces personnages-là, qui sont Valls et Monsieur Valls et Monsieur Sarkozy, à la fois ça s'attache aux personnes et à la fois ça dépasse les personnes. Ces personnes-là, elles ont compris qu'il y avait une idéologie
Et c'est surtout nous à cette idéologie qu'on s'attaque et pas, on n'a pas de conflit de personnes en particulier, mais c'est cette idéologie-là qui est de là où les... En fait, ce que je voulais dire, je vais essayer de vous aider un petit peu, est-ce qu'il y a des lobbies derrière tout ça, voilà, justement, donc... Pourquoi je fais la distinction? Parce que moi, je ne comprends pas quand vous dites ça, j'ai l'impression que c'est comme... En fait, c'est deux choses qui se sont réunies, c'est des intérêts de personnes, oui, clairement. Oui. Ces gens-là, d'abord et avant tout, ils sont là pour eux-mêmes, et on l'a compris, ils sont un but du pouvoir. C'était une anecdote où Sarkozy était connu dès son enfance à vouloir être président, et c'est pas du tout l'argent qui l'a motivé, puisqu'il avait déjà fait sa fortune avant, et c'est clairement le pouvoir. Donc ça, on le sait. Mais comment obtenir le pouvoir, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est qu'ils ont compris que la meilleure façon d'être, de gagner haut la main, clairement. Mm-hmm. Et ce qui est, c'est aussi dramatique parce que c'est symptomatique, ça signifie qu'une partie de la population française se met dans cette classe-là, qui est celle de la haine contre l'islam et contre les musulmans. Mais elle est à la fois, elle a cette pathologie, et en même temps, on cultive cette chose-là. C'est-à-dire que quand les médias ont les mêmes procédés contre les musulmans, on comprend que ça se nourrit. La deuxième chose, clairement, il y a des lobbies. Mm-hmm. Le lobby qui gagne le plus, ce serait pour moi le lobby sioniste. C'est clair et net. Puisque on a tendance à dire qu'au-dessus de l'Élysée, il y a quand même le CRIF. Ouais. Et c'est une réalité à chaque fois qu'il a fallu. Avant et après les élections, il y a toujours le passage obligé des dîners du CRIF, que ce soit ceux régionaux ou celui national, où à chaque fois, c'est toujours les mêmes allégeances qui sont données et les mêmes sacrifices. L'allégeance, c'est celle de soutenir l'entité sioniste. Et l'allégeance, c'est de soutenir l'entité sioniste. Et le sacrifice, c'est celui de s'abattre contre les musulmans, ceux de France et ceux d'ailleurs, puisqu'on est considéré pas moins que les terroristes systématiquement. Donc c'est dans ce sens-là que les choses se vont, et ça répond à la nécessité d'agir. Bien, je suis tout simplement un citoyen, oui, outré par ce qui se passe dans notre pays. Et, on a appelé, donc, certes que le groupe qui a appelé, que nous sommes, c'est le groupe du collectif Cheikh Yassine, Rahimallah Cheikh Hamid Yassine, et nous sommes là pour dénoncer, l'envol du nouveau Sarkozy, certainement un Sarkozy empire. Je parle de M. Emmanuel Valls, parce qu'il a décliné durant ces dernières années une guerre, même déclarée des citoyens musulmans que nous sommes. Ça a commencé par le franc prix halal, contre lequel il s'est acharné avec, d'une manière qui dépasse la raison, jusqu'à la fermeture, jusqu'à un certain nombre de décisions, et pour pouvoir se permettre de dire que tout en étant un des initiateurs de la loi contre le foulard dans les lieux publics, et tout en étant un soutien, comme il a dit, indéfectible et inconditionnel à Israël, il a été élu à plus de 70% dans une commune à majorité musulmane. Donc nous sommes là pour lui dire non, monsieur Valls. Ces musulmans ne sont pas des esclaves et vous n'êtes pas leur maître. Nous sommes là pour lui rappeler qu'ils ont leur mot, et nous sommes là pour faire prendre conscience aussi aux nôtres qu'il faut absolument se réveiller, prendre l'ampleur du danger qui nous guette, parce que M. Valls, il a pris certes l'autoroute qui l'amène vers 2017, comme a fait M. Sarkozy, le ministère de l'Intérieur, pour essayer de casser du musulman, stigmatiser l'islam au maximum, pour que, en 2017, il soit le candidat idéal pour tous les islamophobes de tous bords, de droite comme de gauche. C'est tout. Et pourquoi, à votre avis, ces hommes politiques, parce que avant c'était Sarkozy, maintenant c'est Manuel Valls et tout ça, donc peut-être il y aura d'autres, pourquoi ils s'acharnent sur l'islam, à votre avis? C'est quoi leur but en fait? En réalité, comme le disent un certain nombre d'analystes, c'est que M. Sarkozy et M. Valls et d'autres, c'est des gens qui ne se sont pas inventés au moment où ils se sont présentés. Non, c'est des gens qui ont été dans la couveuse de la machine mondialiste, qui prépare, des carnassiers de cette nature pour mépriser même
les intérêts du parti, que comme l'a fait Sarkozy, comme il a broyé tout le monde, comme l'est en train de faire M. Valls, il est en train de broyer tout le monde, et pour cela, ils ont aussi toute une machine médiatique. C'est pourquoi on ne voit plus que M. Valls. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu d'autres ministres? Non, les gens n'ont pas vu le Premier ministre. Chaque événement, on voit M. Valls. Pourquoi? Parce que tout ça pousse pour imposer la personnalité de M. Valls comme le salut de la nation. Or, c'est là-dedans qu'il y a vraiment le cauchemar de la nation, parce que c'est un ennemi de vivre ensemble. Lorsqu'il arrive sur la place du marché, il dit « Ah, elle est belle l'image d'Evry, mettez-moi quelques blancs, quelques whites ». Je veux dire, il a déjà parlé de ce qu'il peut faire pour notre société. Parce que notre société, je parle à l'espagnol naturalisé, et c'est le marocain naturalisé qu'il parle. Je lui dis que notre pays, c'est ça. Il suffit qu'il se regarde dans la glace, qu'il se rappelle juste un petit peu de ses parents, et il va savoir que c'est ça la réalité de notre pays. Et c'est ça qui a fait sa richesse. Et c'est ça qui sera le salut de notre pays. Et non pas le fait de stigmatiser une partie de la population, remonter les uns contre les autres pour aboutir au chaos. D'accord. Est-ce que d'après vous, comme vous venez juste de dire, cette machine, il y a, comment dirais-je, c'est qui est derrière cette machine, à votre avis? C'est beaucoup de lobby, on sait très bien. Elle a beaucoup de tentacules. Bien sûr, regardez maintenant le pèlerinage, indispensable pour tout homme politique qui s'impose à un dessein d'importance. C'est d'abord une allégeance sans faille à Israël. À qui? Aux tueurs d'enfants palestiniens, aux spoliateurs de la terre de Palestine, aux ennemis des institutions internationales, à ceux qui méprisent le droit international, eh bien ils vont tous se prosterner et dire « Nous sommes votre soutien », comme il a dit, indéfectible et inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils soient criminels, qu'ils bombardent Gaza avec des bombes au phosphore blanc ou à l'uranium appauvri, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, il est le soutien de ces tueurs. Donc nous, on lui dit non, les valeurs de notre pays ne sont pas ça. Les valeurs fondatrices de notre République sont autre chose. Alors, soit il faut qu'il révise sa copie, soit il n'a qu'à se déplacer, se présenter candidat à Tel Aviv. C'est son problème, mais dans notre pays, il y a d'autres valeurs. Voilà. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez, vous pouvez nous présenter votre collectif, s'il vous plaît? Collectif Cheikh Yassine, c'est une association qui a été créée le jour de l'assassinat barbare de Cheikh Ahmed Yassine. Et je veux dire, cet acte lui-même, pourquoi on a choisi ce nom? Parce qu'avant, on avait d'autres associations dans lesquelles on agissait, parce que cet acte schématise exactement toute la problématique. On a des barbares qui envoient des missiles d'avion, des missiles air-sol, envers un tétraplégique sur un fauteuil rouge. Ça décrit exactement la barbarie, l'image abjecte de cette entité qu'on appelle Israël et qu'il faut absolument, absolument, absolument arrêter, sinon c'est le monde entier qui va partir. D'accord, merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour le président de la République? De la République, je lui dis tout simplement que c'est vrai, il n'est pas sans savoir que la communauté musulmane, et je dis la communauté parce qu'ils nous interdisent de parler de communauté alors qu'ils parlent tous de communauté lorsqu'il s'agit de nos cousins juifs, ils glorifient même la notion de communauté. Donc je lui dis ça très bien, que la communauté musulmane a appelé massivement à voter et que si François Hollande se trouve aujourd'hui président de la France, c'est parce que les musulmans ont voté pour lui et ont fait pencher la balance. Donc seulement, c'est pas pour qu'ils mettent un ennemi de toutes les valeurs que nous défendons, que ce soit nous ou que ce soit François Hollande, qu'ils le mettent sur l'autoroute de l'Elysée 2017 dans le poste de ministre d'Intérieur. L'élection de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous méprisent, de ceux qui nous stigmatisent, de ceux qui nous traitent comme des sous-citoyens. Donc il faut absolument qu'on se ressaisisse, il faut absolument qu'on s'organise, il faut absolument qu'on les empêche de nous mépriser de la sorte. Vous savez que tous ces gens-là, s'ils peuvent se permettre ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que chacun de nous dit « Oui, mais ça, je ne peux rien. Ça, c'est pas mon problème. » Je n'ai pas le droit de me mêler de ça. Or, nous savons très bien, comme il a dit Manuel Valls, il a dit, j'étais un des initiateurs de la loi contre le foulard. Il a dit, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël, à ces criminels qui tuent chaque jour des enfants de Palestine, à ces spoliateurs de la terre de Palestine,
à ceux qui veulent détruire la mosquée Al-Aqsa. Il a dit, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël. Il a dit, malgré ça, j'ai été élu à plus de 70% dans une commune à majorité musulmane. Il était en train de dire que ces bougnoules, ces sous-hommes, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, parce que lorsque il est en train de dire, je les méprise, je les combats, et ils me considèrent comme leur maître, c'est-à-dire, c'est ça, en substance, que veulent dire ces phrases. Donc il nous appartient à nous tous de faire barrage à cet ennemi du vivre ensemble. Parce que lorsqu'on se dresse contre Manuel Valls, on se dresse tout simplement contre ceux qui sont contre le vivre ensemble. Notre seul salut dans notre pays, la France, c'est le vivre ensemble. Or, Monsieur Valls, il a prouvé durant toutes ces années, vous rappelez très bien l'affaire du franc prix halal. Lorsque les frères, ils ont ouvert un franc prix halal, il s'est acharné vulgairement et d'une manière guerrière jusqu'à la fermeture du franc prix. Vous savez, la liste est longue. Seulement, ce qui nous attend, comme il a été décrit par les analystes, ils ont dit que M. Valls, c'est un Sarkozy empire. Pourquoi il a choisi le ministère d'Intérieur? Il a choisi le ministère d'Intérieur comme une autoroute pour les élections présidentielles 2017. Parce que durant ces 5 années, il va stigmatiser les musulmans, il va mépriser l'islam, comme ça il va gagner auprès de tous les islamophobes de droite comme de gauche et s'imposer comme le candidat idéal pour toute la nation française. Donc lorsque nous agissons aujourd'hui, nous agissons pour le bien de toute la société, parce que des marchands de la haine, comme M. Valls, ne peuvent conduire notre pays que dans le chaos. Or, il va de notre salut à nous tous de mettre fin aux carrières de tous ces arrivistes. Or, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir mettre fin définitive à la carrière de ce carnassier qui est un pur produit de tout le système mondialiste qui nous réserve des jours très sombres. حنا اليوم هنا من اجل شيء مهم جدا لان انتخابات البرلمانيه الفرنسيه تهمنا. لماذا؟ لان القرار ديال بناء المسجد كتاخذوا البرلمان، لان نزع الحجاب من بناتنا خداوه البرلمان، لان كل ما يهمنا يقرر في البرلمان. فكل الناس الذين يقولون لا نهتم بالسياسه انهم يقولون باننا لا نهتم بامر المسلمين. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. إذن علينا أن نعي حق الوعي ماذا يعني إسلامنا، لأن هؤلاء الناس هم الذين منعوا بناتنا من المدارس، هم الذين نزعوا الحجاب من بناتنا نزع في البرلمان. وماذا قال مانويل فالز؟ مانويل فالز قال لهم أنا اللي كنت طرحت المشروع القانون لنزع الحجاب، وقال لهم أنا المساند بدون شرط ولا قيد لإسرائيل، هذا العدو الظالم الذي يقتل أبناء فلسطين والذي يستبيح المسجد الأقصى. قال أنا أفعل كل هذا، ولكن رغم هذا أنا انتخبوا علي 70% من المدينة أغلبية ديالها مسلمين. فهمتوا شنو معنى هذا الكلام؟ معنى أن قال لهم هؤلاء العبيد المسلمين هم كعبيد لي وأنا سيدهم، فهم ينتخبون علي رغم أنني أحاربهم في هويتهم وفي عقيدتهم وفي دينهم. إذن علينا أن نضع حدا لهذه الإهانة. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن علينا أن نضع حدا لهذا وأن نعطيه درسا. لماذا؟ Alors comment on va pouvoir faire un barrage et mettre un point final à la carrière de cet ennemi du vivre ensemble? Nous savons que le Premier ministre, il a dit que tout ministre qui ne gagne pas dans les élections, il sera balayé. Donc il est temps de dire à M. Valls et d'envoyer un signal à tous les hommes politiques que les musulmans ne sont pas des sous-hommes, que les musulmans ne sont plus des colonisés, que les musulmans sont des citoyens et qui ont droit à la dignité et au respect comme tous les autres musulmans. Comment? En votant contre Valls. Bien sûr, vous allez me dire, comment voter contre Valls? Nous savons que comme dans chaque élection, c'est une série de candidats. Lorsqu'il y a 10 ou 15 candidats,
Ça ne se joue pas entre le 10 et le 15, non, ça se joue entre les deux premiers. Nous n'avons aucun candidat. Nous savons que la gauche et la droite n'ont pour les musulmans que mépris, n'ont pour les musulmans que manque de considération. Et ils déclarent tous leur allégeance inconditionnelle. Et vous avez vu lorsque M. Sarkozy était devant la Knesset, quelques semaines avant le génocide de Gaza, M. Sarkozy a déclaré une allégeance totalement anti-républicaine à une entité étrangère injuste, colonisatrice, qui tue des enfants innocents. Donc c'est la même chose à droite comme à gauche. Ils ne font que ça. Monsieur Valls, durant ces 3 ou 4 dernières semaines, il a assisté à plus d'un dîner du CRIF régionaux et à chaque fois, il s'est prosterné pour dire qu'il soutient toujours Israël, quels que soient les crimes, quels que soient les assassinats, quelles que soient les spoliations. Alors, est-ce que nous sommes vraiment la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous sommes vraiment cette Ummah? Il faut savoir une seule chose, que cette Ummah ne peut exister que si chacun de nous la réveille en lui-même, que si chacun de nous lui donne un sens dans sa vie, dans tout ce qu'il est, dans chaque jour. Or, malheureusement, chacun est occupé, chacun court pour la vie d'ici-bas. Donc c'est à nous de donner un sens à tout cela. Donc je disais, comment faire barrage à M. Valls? On sait très bien que dans des élections, ça se joue entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire blanc bonnet, bonnet blanc. Pour nous, ils sont les mêmes. Seulement, il y a maintenant un danger imminent, il y a un danger très grave qui guette les musulmans. C'est pourquoi les analystes, ils ont dit que M. Valls n'est rien que le Sarkozy empire de la gauche. Pourquoi il a choisi? Pourquoi il a choisi le ministère d'Intérieur? C'est pour stigmatiser les musulmans, pour casser du musulman, pour gagner auprès de tout l'électorat islamophobe de droite comme de gauche. Donc comment on peut lui faire barrage? On lui fait barrage lorsqu'on... parce qu'ils sont les deux premiers. Pour faire tomber le premier, on pousse le second. Bien sûr, le second n'est pas beaucoup mieux dans le sens, c'est, il ne déclare la guerre presque autant que lui. Mais dans le cas présent, il s'agit d'une personne qui n'a pas de poids dans la politique, qui est insignifiante. Certes aussi, elle le méprise, parce qu'elle n'a même pas dédaigné recevoir des responsables de la communauté locale. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit notre première priorité, c'est tout simplement d'écarter le danger le plus grave, à savoir M. Valls. Et pour cela, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de voter pour celle qui, d'en face qui s'appelle De Oliveira. Je n'ai pas de problème à demander. Vous savez pourquoi? Parce que la règle en islam dit « Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib ». Ce sont quoi? La chose obligatoire ne peut s'accomplir, devient obligatoire de fait. Donc puisque faire barrage à M. Valls qui méprise les musulmans, qui humilie l'islam et qui fait allégeance aux ennemis des musulmans, il n'y a qu'une seule solution, c'est voter à celle qui peut le faire tomber. Il n'y a que la deuxième candidate qui peut faire tomber Valls. Troisième, quatrième, c'est un calcul numérique. Personne ne peut faire tomber Valls. Alors donnons une leçon à M. Valls. Allons tous, d'abord d'ici dimanche, chacun de nous doit se faire l'ambassadeur de cette mobilisation. Allez voir la famille, allez voir les frères, allez voir les cousins et les cousines, les voisins, pour leur dire, il va de notre salut à tous de faire barrage à cet ennemi de l'île des musulmans pour envoyer un message à deux, un message à François Hollande pour qu'il choisisse un ministre plus modéré vis-à-vis de tous les citoyens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées. On ne demande aucune faveur, on demande juste une chose, le droit à la dignité. Le droit à être reconnu comme des citoyens et de ne pas être combattu, stigmatisé. Tout le monde voit dans le musulman comme un terroriste en puissance. Et pour cela, ils sont capables de toutes les mises en scène qui sont totalement fabriquées et totalement construites. Donc c'est à nous, c'est à nous. Parce que barakallahu fi, l'imam qui a fait un discours formidable. Et parmi toutes ces choses-là, il a tout à fait raison. Parce que karamul khuluq fi kadalik. أن نعترف بأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذن علينا أن نستعيد العزة إذن كيف يمكننا أن نضع حدا لهذا الشخص الذي يعادي الإسلام والمسلمين كما تعلمون بأن كل انتخابات نتكون 10 ولا 15 المرشحين
هذوك التاليين ما عندهم توازن، ديما هي كتلعب بين الاول والثاني. دونك الا بغينا نطيحوا الاول كندفعوا الثاني. الثاني بالنسبه لنا بحال اليمين بحال اليسار، كلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفر ملة واحدة، وكلهم يعادوننا وكلهم يستهدفون إيماننا وعقيدتنا وكل ما يكون هويتنا. ولكن كما قال الفقهاء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك نختار الشر الأهون. ولذلك ما دام أن الهدف الأساس هو إسقاط باز، إذن علينا أن نصوت للثانية، يعني التي تسمى بأوليفيرا. لماذا؟ لأنها هي أقل أهون منه، لأن لا سلطة لها، ليست كوزير الداخلية الذي يهيئ نفسه لرئاسة الدولة. هي رغم أنها تعادي المسلمين ولكنها لا وزن لها. إذن نحن لا ننادي لا ليمين ولا ليسار، نحن فقط ننادي لكرامة المسلمين ولعزة المسلمين. إذا لم ننادي لعزتنا فهل ننتظر من أعدائنا أن ينادوا لعزتنا؟ والله لو مر فالس فلننتظر 5 سنوات من الشؤم للمسلمين. لماذا؟ لأنه سيبتكر ويستحدث كل ما يضرب به الإسلام والمسلمين، لأنه أعلن بطريقة واضحة بأنه سينفذ سياسة إسرائيل في فرنسا. ونحن في فرنسا نحتاج لمن يهتم بأمر الفرنسيين كيفما كان دينهم، مسلمين، مسيحيين، يهود، غير ذلك، لا دين لهم، كل الفرنسيين. لذلك يجب علينا أن نتخذ هذه الأيام 3 للتعبئة. كل واحد فينا يمشي عند خوته، عند عائلته، عند جيرانه، عند صحابه، باش يقول لهم لا بد صوته ضد فالس، يعني صوته دي أوليفيرا. Donc tous, à nous tous, il faut qu'on sache une seule chose, nous avons 3 jours, enfin 2 jours, je veux dire aujourd'hui et demain, pour aller voir tous nos amis, toutes nos familles, tous les voisins, pour leur dire, il faut absolument, il faut faire passer le message, parce qu'ils disent, oui, est-ce qu'on va voter à droite? Non, nous on choisit pas la droite ni la gauche, on choisit de faire tomber le dragon, celui qui veut souffler le feu sur nous durant ces 10 prochaines années, parce que s'il passe les 5 années en tant que ministre d'Intérieur, il aura préparé l'autoroute pour les présidentielles de 2017. Il sera le nouveau Sarkozy. Donc mettons fin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans et qui partagent cet avis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, que Valls, c'est le produit du système, du mondialisme. Et il était posé et encadré par les médias. Regardez, depuis qu'il y a le gouvernement, on ne voit qu'un seul ministre, c'est Valls. On ne voit pas le Premier ministre parce que tout est fait, toute la machine avance pour nous imposer Valls comme le seul homme, le seul salut de notre pays. Or c'est qui? C'est juste tout simplement une des tentacules du sionisme qui gangrène l'humanité tout entière et qui nous mène droit vers le chaos. Donc nous avons cette responsabilité, cette chance dans cette circonscription, c'est de pouvoir mettre fin à la carrière sanguinaire que prévoit M. Valls. Donc c'est à nous tous, il faut absolument profiter de ces quelques jours pour mobiliser et ne pas oublier, il y a 2 tours. Donc il faut aller voter dimanche et dimanche d'après pour mettre fin aux ambitions qui dépassent les enjeux nationaux chez nous, qui dépassent les enjeux même, je veux dire, de notre communauté. Non, ils sont au service d'un autre empire. Alors, donnons une correction, comme ça tous les hommes politiques sauront que les carriéristes comme Valls ne pourront plus passer. Il y a juste une chose. Barakallahu fikum. Il y a juste une chose. Alors, il est temps. Il est temps de penser à l'intérêt commun. Il est temps de ne pas penser. Vous savez, moi j'avais envie d'une seule chose ce matin. C'est de venir et vomir sur des Oliveira aussi. Mais le problème, c'est qu'elle est insignifiante. Elle est insignifiante sur l'échiquier politique. Elle ne pèse rien. Donc, le fait qu'on vote pour elle, nous avons juste déplacé un pion qui met l'ennemi en échec et mat. Elle n'est rien dans l'échec et politique. Alors, il faut savoir une chose comme ils disent en français, c'est le choix entre la peste et le choléra. C'est vrai que c'est un choix entre la peste et le choléra.
et puisque le choléra se soigne de notre temps, eh bien, combattons la peste. C'est tout ce qu'on veut dire, c'est-à-dire, on n'a pas le choix, puisqu'il faut absolument faire barrage à Manuel Valls, il faut obligatoirement pousser la deuxième sur la liste, à savoir Déon Ivera. Donc, jazakumullahu khair, et j'insiste là-dessus, il ne faut pas croire que Déon Ivera est notre ami, il ne faut pas croire qu'elle veut notre bien, non, il ne faut pas rêver. Al-kufru millatun wahida, walakin al-mu'minu kayisun fatin, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis ça? Parce que même Allah Azza wa Jalla, même dans le Coran, il nous a informé sur la défaite des Romains et il a dit que c'est-à-dire après leur défaite, ils vont gagner. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla? Et ce jour-là, les croyants vont se réjouir, c'est-à-dire malgré qu'ils ne sont pas musulmans. Ce que je veux dire par là, du moment qu'on abat un ennemi plus grand, on n'a aucun scrupule à se tenir la personne qui peut faire barrage à cet ennemi. Donc, jazakumullahu khairan. Pour ça, j'ai une seule chose. J'ai vu beaucoup de craintes chez les musulmans, comme s'ils ne peuvent pas parler parce que c'est le ministre de l'Intérieur. Je suis là. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والله من كان يقينه في الله والله لن يناله أحد. لماذا؟ من كان الله وليه كيف يخشى عباد الله؟ كيف يخشى أقل عباده سبحانه عز وجل؟ لذلك علينا أن نعلم شيء واحد، بأننا همنا الوحيد هو أن نكون داخل إطار القانون. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on agit dans le cadre du droit. Et personne ne peut nous empêcher. C'est parce qu'ils ont cultivé la peur dans le cœur de tout le monde. C'est parce qu'ils ont cultivé ça depuis nos pays. Parce qu'on vient tous de pays de coloniser jusqu'à aujourd'hui. Colonisé par la colonisation et colonisé par les pouvoirs actuellement en place. C'est pourquoi on n'arrive pas à nous exprimer. Il faut absolument qu'on se libère. Si on veut apporter notre pied à l'édifice, dans ce pays, dans cette nation, la première des choses, il faut que nous-mêmes déjà on se considère comme des citoyens. Et là, les autres vont faire d'office la même démarche et vont nous considérer comme des citoyens. Et donc, jazakumullahu khairan, wa jazakum bi khair. J'allume min hadhihi al-qadiyya qadiyyatukum. Fa wallahi inna Manuel Valls a'lana wala'ahu at-tam li Israil. Liman yahdimuna al-masjid al-Aqsa. إذن أليس لنا عزة؟ أليس لنا كرامة؟ أليس لنا عقيدة؟ لأن والله كما قال أئمة المسلمين وعلماؤهم بأن الأقصى من صميم عقيدتنا، ومن لم يدافع عن الأقصى سيخذله الله. إذن دفاعا عن الأقصى كذلك علينا أن نضع حدا لهذا الرجل الذي يعلن ولاءه لأعداء المسلمين وأعداء فلسطين. إذن إن شاء الله لا تنسوا كاين انتخابات يوم الحد والحد اللي بعده كل شيء يمشي ويتكلم مع العائله ومع الصحاب مع الجيران ومع كل شيء ويقول لهم ضروري باش نصوتوا ضد فالس معناتها اننا نصوتوا لدي اوليفيرا دونك الله يجازيكم بخير نوبليون با سا شاكان دو نو الى انكور كلكو جور بور غانيي اوبري دو الله عز وجل باسكو c'est notre seul jihad. Notre jihad, c'est quoi? C'est dire la bonne parole. Notre bon jihad, c'est quoi? C'est d'essayer d'empêcher de ceux qui font le mal par la méthode, alhamdoulilah, juste, et par la méthode politique et pacifique. Donc c'est ça. Il ne faut pas hésiter. Sinon, l'ayadoubillah, on est défaillant. Donc, inshallah, rahman rahim, ceux qui veulent continuer la campagne avec nous, qu'ils restent avec nous, nous allons partir. Ça fait 2 semaines que nous sommes dans les quartiers. On a fait Évry, on a fait les pyramides, on a fait le parc Olièvre, on a fait beaucoup d'autres quartiers, on a fait la gare plusieurs jours, l'Agora, on a fait des marchés. Donc tous ceux qui veulent être dans cette entreprise et avoir al-fadl d'avoir contribué à cette opération, qu'ils se joignent à nous, inshallah. Donc inshallah, on dit inshallah bi-idhnillah, on tukla Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم رب العزة احشرنا في زمرته يا الله اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله اللهم قو شوكة الإسلام والمسلمين اللهم علي راية هذا الدين اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاللهم أعنه عليه واشدد أزره وأيده بجنودك يا الله اللهم كل من خذل هذا الدين فاللهم اخذله اللهم اشغله بنفسه رب العزة وبعافيته اللهم كل من خذل الإسلام بتواطؤ وبتعامل وبتهاون فاللهم اخذله في الدنيا واخذله على رؤوس الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب العزة ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارزقنا يقينا تاما حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم ارزقنا يقينا تاما حتى لا نخشى سواك ولا نخاف سواك ولا نرجو سواك يا الله اللهم علي راية هذا الدين اللهم اجعلنا ممن يساهمون في إعلاء كلمتك اللهم محص نياتنا لك يا الله اللهم رب العزة وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم رب العزة انصرهم في فلسطين اللهم سدد خطاهم اللهم رب العزة سدد رميهم وقوي صفهم واهزم عدوهم اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين اللهم دمرهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم اللهم أرنا فيهم يوما أحسن كيوم عاد وتمود اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا قوي ويا جبار يا قاهر الجبارين ويا ناصر المستضعفين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في العراق اللهم سدد خطاهم وحد صفهم وسدد رميهم اللهم انصرهم في أفغانستان اللهم كن معهم وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي ويا جبار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم رب العزة دمر الطاغية اللهم رب العزة اجعله لنا رب العزة آية يا كريم اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم رب العزة في مصر اللهم انصرهم في الصومال اللهم انصرهم في اليمن اللهم انصرهم في كل بقاع الأرض اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم وحد كلمتنا اللهم قوي صفنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم رب العزة انزع ما في قلوبنا من غل للذين آمنوا يا الله اللهم ارزقنا عزة المؤمنين اللهم ارزقنا عزة المؤمنين وتوبة الصالحين اللهم هذا الدعاء وإليك الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله il faut mettre le paquet il faut ceux qui méprisent l'islam sachent que ça se passera plus comme ça وتقبل الله من الجميع ceux qui veulent nous aider ils restent avec nous pour participer inchallah à ce que nous sommes en train de faire salam alaykoum